Un anniversaire, c'est une fête, et nous sommes heureux de fêter 150 ans. Cette église est au cœur d'un quartier vivant. Le quartier a même été construit autour de l'église. Et depuis, elle touche beaucoup les gens. Pour les 150 ans de la Trinité, il y a un événement complètement dingue qui va arriver. C'est un artiste plasticien suisse qui va venir poser ses 3000 bougies pendant 4 soirs, les 4 soirs de l'événement. Ça va illuminer le monument d'une manière que vous n'avez jamais vue. Ça va magnifier ce bâtiment. On verra la sculpture, les décors de manière complètement renouvelée par l'éclairage. Et ça, je vous invite vraiment à découvrir ça. Le samedi soir 18 novembre, il va y avoir quelque chose d'assez extraordinaire dans la Trinité. 7 mystères vont être révélés, 7 mystères auxquels on ne pense pas parce qu'on croit toujours tout connaître de la Trinité, on ne sait pas tout. Ça sera artistique, ça sera beau, ça sera sympa aussi, festif. En tout cas, ça veut étonner. 4 jours de célébration, de rencontre, mais aussi 4 jours de concerts. On a des concerts du jeudi au dimanche. Une occasion extraordinaire de pouvoir redécouvrir l'orgue de la paroisse, qui est un orgue qui a été conçu dès les débuts de la construction de l'église au XIXe siècle. C'est la musique d'Olivier Messiaen qui sera à l'honneur au grand orgue. On a voulu commencer l'événement par une invitation à servir, à partager un repas avec des gens pauvres. Nous vous proposons de vous associer à ce service en venant partager un repas avec nos invités. Dans le programme, on a voulu aussi honorer les familles et les enfants. On a prévu un énorme gâteau d'anniversaire pour tous les enfants. Les enfants du quartier, des écoles, les cousins, les cousines, les voisins, tous les enfants. Et vous savez pas quoi ? On ne trouve plus les bougies. Et donc il faut absolument que tous ces enfants viennent le samedi après-midi à 15h30 à l'église pour une grande chasse au trésor. Il faut absolument qu'on retrouve ces bougies. Il y a une vingtaine d'années, alors que j'étais même pas baptisé, je suis venu dans cette église pour une soirée. Et vous voyez, 20 ans plus tard, je suis encore là et je suis ravi d'organiser cette soirée avec vous. Donc n'hésitez pas à venir, parlez-en à vos amis et venez faire la fête avec nous. Enfin, chacun est invité, quoi. Qu'on soit habitué, qu'on connaisse le lieu ou pas, venez, quoi. Venez tous, c'est une fête de votre quartier. Venez inviter vos amis, partagez, parlez-en à vos proches. Ça va être génial. Venez en masse. À bientôt.